que un budget supplémentaire n'est pas un simple document administratif qu'on traitera à la légère. Normalement, avant de passer au vote, nous devrions faire toute une étude et une analyse approfondie pour connaître les sources de nos recettes et évaluer leur évaluation, leur évolution en augmentation ou en diminution, notamment pour les propres recettes de la Oulaya qui émanent des impôts, des taxes, entre autres la taxe, ainsi que les produits résultant des biens de la Oulaya. Et ce dans le but de lancer une réflexion et arrêter les mesures et les voies adéquates pour doter notre Oulaya des moyens pour qu'il puisse se développer et ne pas dépendre uniquement des subventions de l'État. L'élaboration d'un budget se fait sur la base des fixations et des dépenses de l'année précédente, d'où la nécessité de donner des explications sur le compte administratif qui dégage un reste à réaliser d'1,184,533,908 dinars dans la partie fonctionnement, alors qu'une partie de cet argent aurait pu être affectée à la section d'équipement pour doter suffisamment le chapitre 779 qui est réservé pour les subventions au profit des communes. Donc, dans ce registre, Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la PUI, au vu du reliquat dégagé chaque année dans la section du fonctionnement, pourquoi pas on n'affectera pas cet excédent net, même celui dégagé cette année, à la section d'équipement et doter suffisamment le chapitre 979 afin de subventionner les communes pour qu'elles puissent prendre en charge les préoccupations des citoyens et répondre plus ou moins aux urgences auxquelles ils font face. Vous savez pertinemment que la somme réservée dans le budget supplémentaire de l'année 2022 aux subventions des communes, qui est de 14 milliards, est très insuffisante. Si on va faire le compte, on trouvera que la moyenne qui va revenir à chaque commune est de 2 millions de dinars, 200 millions. Donc 200 millions, 6 000 fois rien, c'est très peu pour une commune pour qu'elle puisse prendre en charge les projets qu'elle voudra réaliser. Alors que nous trouvons dans le même budget des dépassions excessives, comme c'est le cas du chapitre 950 relatif à l'entretien, le chapitre 950, pour lequel un montant de 5 milliards a été affecté pour les bâtiments et équipements administratifs. Alors qu'une partie de ces travaux pourrait être pris en charge dans le chapitre 931.